Salut à tous, c'est Tantinox01 et on se retrouve pour mon tout nouveau Let's Play sur un jeu Wii U qui vient tout juste de sortir sur la Wii U et c'est Star Fox Zero. Ça va bien, ça va bien. Et oui, je l'ai acheté, on est jeudi, je tourne un peu tard là, et je l'ai acheté donc il sort normalement vendredi 22 avril, Star Fox Zero, reboot de la série. Pourquoi il s'appelle Zero? Bah parce que c'est le reboot de la série. On va voir ce qu'il donne. Premier avis du jeu, vraiment moyen. Mais j'avais vraiment envie de le tester par moi-même et pas de me fier aux critiques. Parce que bon, elles sont très variées en fait. Il y a du mauvais au bon. Mais genre du mauvais, enfin il y a des. J'ai vu, il y a un site, je vais pas le nommer, hein. Il y a un site qui a refusé de mettre la review parce qu'il n'avait pas fini le jeu. Parce qu'il n'arrivait pas à finir le jeu. Enfin, qui. Il voulait pas finir le jeu en fait, parce que tellement le jeu il était nul. Donc on va voir ce que le jeu donne. En tout cas, si ça vous fait plaisir et si vous voulez voir, si vous en voulez voir plus, pardon, c'est pas mettre un j'aime et un commentaire à cette vidéo. Et on va commencer Star Fox Zero. C'est parti. Et je l'ai acheté là et j'ai aussi acheté une manette Wii, Wiimote. Pour Nintendo Land, comme vous avez vu, j'ai Nintendo Land aussi parce que ben c'est cool comme ça me fait un peu entraîner avec le gamepad. Mais petit truc aussi, si vous voyez dans les cinématiques qu'il y a en fait que l'écran est plus petit, qu'il y a une espèce de layout bizarre, c'est parce que ça c'est un truc anti-copyright pour pas que j'ai de copyright, mais il sera enlevé dès que le gameplay sera là, donc normalement là il y aura pas de copyright, donc voilà, c'est juste pour le copyright. Et là normalement il y a une cinématique, oui, on va être créé, ok, Nintendo, et c'est fait avec Platinum Games je crois, je suis pas sûr, je sais pas, je crois, hein. Et c'est marqué, ça vient d'être marqué en fait. Ok. Les sons sont sur le gamepad. Fox, vérifie le volume sur le Wii U gamepad, tu veux bien? Oh, c'est stylé, par contre. Wow. Wow, 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 wow. Passons en revue quelques commandes de pilotage avant de passer au combat. Activé avec ZR. Utilise le gyroscope du gamepad pour déplacer ton viseur. Ok. Donc ce jeu, hein, Miyamoto a fait fort, puisque c'est le jeu... Pour lui, qui utilise le plus de... Enfin, pas pour lui, enfin... Le développement de ce jeu était destiné à l'utilisation du gamepad, donc on va voir ce que ça donne dans le jeu. Mais désolé, vous ne voyez pas le gamepad, j'ai pas de gamepad de capture. Utilisez la vie petit, ok. Bon, c'est la première fois que je joue en Star Fox, alors... Bon, là, pour l'instant, c'est assez facile. Ok, ça c'est pour calibrer. Ou Y, ok. Ah, ça c'est pour recalibrer le gyroscope. Ah ouais, c'est stylé. Ouais, par exemple, quand là, voilà, ok. Ok. Bon, plutôt facile pour l'instant. Aucune difficulté. Bon, alors j'ai laissé le gyroscope toujours activé. Descends, s'il te plaît. Hey. Ah non, c'est comme ça, ok, c'est inversé. Ok. Bon, pour l'instant, c'est une espèce de tuto, je pense. Ok, on va remettre le gamepad un peu bien, voilà. Et donc voilà, là, on a vraiment le jeu. Avec le vaisseau, et là sur ma vie en fait il y a toujours le cockpit que vous avez vu en début mais que je peux pas vous montrer, mais de toute façon c'est pas très grave en fait, hein, vraiment le scène principal c'est vraiment ça. En fait j'ai une vue beaucoup plus précise du jeu, ce qui permet ben de mieux viser, mais il y en a qui disent que c'est affreux. Quoi? Ok. Ok, comme ça, ok.
X. Ah ça c'est un looping genre vraiment. Ok donc ça vise, ok. Ok. Bon pour l'instant c'est le début du jeu, hein. C'est un tuto donc pour l'instant voilà. Nous sommes dans l'espace en tout cas. Oula. Mais pour l'instant je trouve que le gyroscope est plutôt stylé, je trouve. Vraiment. Je trouve que ça rajoute un truc au jeu, je sais pas. Non, voilà. Non, c'était pas ça, c'était ça. Ok. Ok. Donc ça c'est une espèce de truc. Mais pour l'instant je trouve le jeu plutôt beau. Alors, bon, on est au début du jeu, mais là pour l'instant je trouve le jeu quand même. On voit les textures de la Terre plutôt réussies, hein, on va dire. Hein. On voit toutes les planètes et tout, c'est plutôt réussi. Et mode combat ciblé, ok. Et regardez, les quand même les graphismes en général, c'est plutôt pas mal. Ah ok, donc combat libre, on peut se déplacer. Regardez les graphismes, là les nuages sont vraiment beaux. Enfin, moi je trouve, pour l'instant c'est beau. Alors après peut-être c'est sur les planètes que ça sera un peu plus vide. Mais non, nous sommes dans l'espace. Bon, là par contre la texture du truc, regardez l'ombre. Bon, voilà. Mais un, pour ceux qui râlent. Oui. Ok. Et pour ceux qui râlent, vous savez quand même que la Wii U doit afficher deux vues là. Doit afficher la vue sur le gamepad et la vue sur la télé. Donc j'irai deux fois le jeu en fait. J'irai deux fois le. Parce que là en fait sur le cockpit en fait il y a. Je peux vraiment aller n'importe où là. Je peux aller en haut, en bas. Ok. Ah ouais c'est chaud par contre. Oh. Ouais ça c'est vraiment. Donc du coup je vais laisser les voix sur le gamepad hein. Parce que je crois qu'on peut pas les mettre sur Attendez on va se remettre bien. Attends c'est chaud là. Est-ce que tu peux arrêter de tirer s'il te plaît? Oh c'est chaud, je fais toute ma chaise là. Ok. Ouais, attends. Attends, hein, 2 minutes. Je fais juste, voilà. Ok. Ok, c'est bon. J'adore pour l'instant, vraiment. Là, je vous dis, j'adore. Pour l'instant, j'adore l'ambiance, j'adore les. Pour l'instant, les graphismes m'énervent pas plus que ça. Ouais, t'inquiète, je te suis. Maintenant on va pas activer la vue ciblée, je trouve que c'est plutôt pas mal comme ça. Bon tu te calmes. Oh je vais te frôler mon gars. Ouais. Ah donc il me suit, ok. Je me dis what, mais qu'est-ce qu'il est, pourquoi il me. Je sais pas, il me colle. Ok. C'est bon, toi jeté et le dernier. Attendez, faut faire quoi là? Ok. Ah ça c'est pour accélérer, ok. Attends. calme-toi par contre. Ah il est pas venu lui. Ah d'accord. Non, arrête de viser s'il te plaît. Ouais merci. Non je me trompe toujours de touche. Oui il faut aller là. Ah il y a Falco là-bas. Je pense qu'un F Falco voilà. Bon du coup je me suis un peu renseigné sur les personnages aussi. Hey, il y a 10 minutes de vidéo, oh purée ça passe tellement vite. Je me suis renseigné aussi. Et je connais un peu les personnages.
très bien. Ok, c'est parti. Sauvegarde. C'est pas chargement, c'est sauvegarde, d'accord. Wow, Star Fox Zero. Ah, d'accord. Appuyez sur A. What? Attendez. Mode aventure, prologue. Est-ce que je mets le prologue? Bah oui. Ok, donc je vous mets le prologue. Normalement, ça devrait pas durer trop longtemps. Bon là par contre les graphismes, hein. Bon là on voit la terre un peu mal faite, mais c'est quoi en fait ce truc? C'est pas ça que je voulais en fait. Non attendez, attendez, c'est pas ça que je voulais moi. Moi je vais faire mode d'aventure. Alors, mode aventure, c'est ça hein? Ouais, je pense oui. Je m'appelle Fox. Fox McCloud. Ok, donc c'est ça, ouais. Fox, un groupe de mercenaires d'élite fondé par un ancien as de l'armée cornérienne. James McCloud, mon père. Mon père. Il y a 5 ans, mon père a été engagé par le général Pepper de l'armée cornérienne pour enquêter sur les grandes activités détectées sur la planète des Lames. Il n'est jamais revenu de cette mission. RIP. C'est sur ce sinistre caillou au fin fond de l'espace qu'Andros, le scientifique fou, avait trouvé refuge après son bannissement par la Fédération cornérienne. 3 pilotes participèrent à cette expédition. Mon père James, son meilleur ami et coéquipier de toujours, Kepi Air, et Pygma Dengar, engagé volontaire pour cette mission. Personne ne s'en doutait alors, mais Pygma était en réalité un agent à la solde d'Andros. Trahi mon père et Kepi. D'accord, donc c'est un peu la nullité là. Mon père réussit à faire enfin, le... pour que Pépi puisse s'enfuir. Ayant échappé de peu à la mort, okay. Pépi se fit un devoir de raconter à tous l'héroïsme de mon père afin que sa mémoire perdure. Ou sa tête. J'ai donc Kekong. Kekong avec des oreilles de Link. Ok, donc on a l'histoire. C'est pas mal. En tout cas, pour l'instant, j'adore. Bon, là, on est qu'au début. Le conflit entre la Fédération cornérienne et l'armada d'Andros s'est étendu à toutes les planètes du système. Star Wars. En mémoire de mon père, j'ai refondé Star Fox à l'aide de technologies. Star Fox. Star Fox Zero. Sleepy Todd, ok, ils sont pas allés loin pour le nom de famille. Falco Lombardi, une tête brûlée sur qui on peut compter en cas de coulure. Pépi R, le coéquipier de mon père, un vétéran endurci et l'âme de notre groupe. Ok, par contre, Pépi R, il a des bouches. Lol. Oula. Il est finalement temps pour nous de quoi nous sommes réellement capables. Andros, tes heures sont comptées. Ouais, donc aussi, ce jeu est particulier puisqu'il y a les voix françaises. Je crois qu'elles n'étaient pas dans l'ancien jeu. Oula. Nous entrons dans l'atmosphère de Corneria. Ok, par contre, on va remettre... Ah, on peut pas sur le gamepad, what? Ah, sur le gamepad c'est stylé. En fait pendant les cinématiques je pourrais regarder. Mais c'est stylé. Et par contre ouais ouais. Oui donc je disais ce pire ils font que parler. Ce jeu a les voix françaises donc recalibrer le viseur. Oui s'il te plaît. Ah merci. Et ce jeu, oui, il y a donc à la voix française, donc c'est plutôt spécial, hein. Il faut quand même
faut quand même s'habituer. Mais pour l'instant, ça va. C'est vrai qu'il y en a qui ont dit ouais, ça fait un peu dessin animé. T'inquiète. Attendez, ça bug un peu. Voilà. Non, remets-toi. Voilà. Et c'est parti! Intro Continox. Oh, c'est stylé. Et par contre, l'ambiance est juste incroyable. Oh. Ok. Oh, c'est le bordel. En fait, ils disent mode, enfin vue libre, mais là je suis un peu en vue libre. Regardez, je suis allé. Ah non, quand même. Je peux pas aller quand même tout à gauche. Oula, il y a des petits ralentissements par contre. Ça, j'ai vu, hein, bien sûr, j'ai vu la vidéo de Digital Foundry sur les ralentissements du jeu. Bon, je les ai pas tués, c'est un peu nul là. C'est un peu la tristesse. Ok. Donc ce let's play il va être aussi un peu spécial parce que bon, hein, dans ce jeu il se passe pas réellement des choses comme dans par exemple Twilight Princess HD. Oula, ici il se passe des choses en fait. Oui, j'accélère. Mais ce let's play il va être un peu, comment dire, un let's play avec vous. Parce que moi je vais vous parler du coup je vais parler un peu de choses, par exemple je sais pas, trucs sur YouTube, par exemple les copyrights, hein, parlons-en. Là, par exemple il faut la vue de cockpit, sinon ça va être un peu chaud. Et oui, donc là j'ai un petit blanc dans ma tête. Ouais, t'inquiète. Et oui, donc je suis que bugué là, attendez, je suis concentré. Ok. En fait, ça vise pas là où il faut. C'est quoi ce truc? Ah, c'est un bouclier, ok. Et oui, donc ce SP il va être assez spécial. Parce que. Ah là, il y a un chemin. J'ai vu. Ouais, ça, c'est, je pense que c'est après, on débloquera après les transformations de notre vaisseau. Donc je raconterai un peu, ouais, donc YouTube, les droits d'auteur, les tests sur ce jeu, la rédaction et tout, enfin je parlerai un peu de tout dans ce SP. Et aussi là par exemple, dites moi dans les commentaires ce que vous pensez du jeu, si vous l'avez reçu si vous l'avez reçu tôt, dites moi ce que vous en pensez, ça m'intéresse parce que bon, je vous fais confiance. Phase 1 terminée, ok. Ah, il y a plusieurs phases. Et oui, donc dites-moi ce que vous pensez du jeu, moi ça m'intéresse. Ouais. Transmission. Passage en mode qu'on va cibler. Au secours du général, ok. Sinon, ah attends, il est derrière moi. Vraiment pour me tuer, mon gars. Par contre, le gamepad me saoule un peu parce que, en fait, ça vise là où je veux pas. Ok, vous savez quoi, je joue au gamepad. C'est quand même assez compliqué de s'habituer avec le gamepad parce que c'est vraiment chaud. Ok. Ah, d'accord, il y a le friendly fire. Aïe, soit je t'ai pas vu parce que je suis sur gamepad là actuellement. 4 sur 10. Ok. J'ai ma boule de charger. Ah. Ok. 7. Ouais, t'inquiète, tout va bien. Mais arrête de me tirer dessus. Ok.
Oh, Tug. Donc la caméra stoppée là. Ah merci. Attendez, ils sont où là? Ils sont où? Ah, ils sont là. Ouais, t'inquiète, t'inquiète. Le gars qui dit ça, genre, comme ça, tranquille, alors c'est pas du tout réaliste. Ah, c'est chaud. Ah, c'est chaud. T'inquiète. Ok. Ok. Oh, il y a un truc là, on va y aller. Ah, d'accord. En fait, ouais, la vue ciblée, en fait, c'est vraiment si vous voulez jouer au gyroscope et avoir une vue. Je parle pas parce que je suis concentré en fait. Je m'attendais pas à ce que le jeu me fasse autant concentré. Oh. Y'a que moi qui fait les choses là. Aïe 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 aïe. Chou. Qu'est-ce que. Ok, j'ai pas compris. Ah ouais, il y a des gros ralentissements par contre. Gros point faible du. Je passe en dessous, je suis un thug. Oh purée. Vous pouvez pas m'aider vous. Hein. Il y en a un peu beaucoup là. T'inquiète. Ouais, mais merci. Ok. Non, mais please. Oui, c'est bon, j'ai compris, mais j'aimerais bien viser. Ok. T'inquiète, t'inquiète, je vais continuer comme ça. En fait, ouais, le tir chargé, c'est vraiment la vie. Hein. Oh sérieux? Hop. Ah non mince, c'est pas ça. C'était pas ça, je me suis fait. Ah. Vite. Vite, 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 ils vont monter. Non mais sérieusement, attendez. Ah, je tourne. Ok, un tué. Oh c'est chaud. Hein. Mince, mais je me trompe tout le temps, je touche. Ah, des bombes, on a des bombes. Vu que je connais pas Star Fox. Ok, c'est bon. C'est quoi des bombes? Ok, c'est ça. Ok. Bon, je suis concentré, vraiment concentré. Ouais, une fière chandelle. Waouh. Je vais vous aplatir comme de vulgaires insectes. Forteresse volante. Passage en mode combat ciblé. Neutralisons ce vaisseau ennemi. Oh mais c'est stylé. Ah non, c'est là, ok. Waouh. Je suis mort. J'ai foncé dans le truc. Rip. Bon, j'aimerais bien que ça vise autre chose. Ouais, mais là ça force la, le gamepad. C'est chaud. Ouais, j'ai compris, je crois. Ok. Ouais, ça force vraiment le gamepad. C'est cool. Ok. Ok. Là, il y en a d'autres. Des tourelles. Partout.
Ouais, c'est bon, j'ai compris. Et là, faut faire quoi? Ah, il faut aller dedans. Ah non, il faut aller en bas. Ok. J'avais pas vu qu'il y en avait en bas. Aïe. En fait, c'est les explosions qui font laguer le jeu. Ok. J'ai plus de vie. Non. Soyez modé, Star Fox. Je suis pris le vaisseau. Ok, on a fini. Mission terminée, yes. Mission accomplie. Appareil au rapport. N'en fais pas pour moi. Et toi, Fox? Ouais, ça va tranquille, et toi? Tu as réussi. On a eu chaud. Tu ressembles de plus en plus à ton père. On nostalgie. Alors, total, ok, phase 1. Ah, on voit la vie des autres, ok. Ok. Bon, bah c'était plutôt pas mal. Bon, je suis mort une fois, enfin je sais pas si c'était une mort vraiment. Je pense qu'on a plusieurs vies en fait, on a 3 vies. Mais c'était pas vraiment une mort. Mais en tout cas, ouais, c'est plutôt... Enfin, il faut s'habituer quand même. Avec le gamepad. Ok, donc ceci est la map du jeu. Et ouais, c'est ça la map du jeu. Mais on va s'arrêter là pour ce premier épisode parce que ça fait 27 minutes. Oui, c'est pas le contenu d'un épisode de Zelda, mais quand même. Donc voilà. N'oubliez pas de vous abonner. qu'est-ce que je dis? Il est tard, hein, il est 22h et je sors quand même d'une journée assez dure. Donc je dis n'importe quoi. N'oubliez pas de mettre un j'aime à cette vidéo si vous voulez voir plus de parties. Et un commentaire, dites-moi ce que vous pensez du jeu si vous l'avez. Si vous l'avez pas, ben est-ce que vous voulez l'acheter ou pas? Et n'oubliez pas de vous abonner pour voir la prochaine partie de ce Let's Play et pour voir mes autres Let's Play. Voilà. Juste, je vais regarder Amiibo, fais voir. Ok, il faut mettre un Amiibo. Oui, ce jeu est compatible avec les Amiibo. Donc voilà, merci d'avoir regardé cet épisode 1 de Star Fox Zero. C'était Cantinox 01. Bye.